Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre comment on prépare les chicken wings. Pour faire les chicken wings, il vous faudra des ailes de poulet. Vous allez les découper en deux, comme moi j'ai fait. Ensuite, vous allez les mariner, vous mettez les épices que vous voulez. Moi, j'ai mis du curry, curcuma, cumin, coriandre, un bouillon de poule. Ensuite, j'ai mis du poivre, du gingembre, de l'ail, un jus de citron. Mais chez vous, vous mettez les épices que vous voulez. Donc, on met toutes les épices, on rajoute de l'huile, de la sauce soja, du ketchup. On met tout et on laisse mariner au frais. Voilà, j'ai mis le... On met le ketchup, on mélange bien. Ensuite, on va laisser mariner pour 5 heures de temps. Moi, je les prépare toujours le soir. Je mets au frigo jusqu'au lendemain. On va laisser mariner 5 heures de temps. Ensuite, on va les enfourner. Pour 45 minutes ou 30, ça dépend de votre four. Les 5 heures de temps se sont écoulées. Maintenant, on va le déposer sur le plat qui va au four. Voilà nos ailes de poulet. On va les enfourner pour 30 à 45 minutes, tout en surveillant la cuisson. Avant d'enfourner, j'ai rajouté un filet d'huile d'olive. Voilà nos chicken wings. Elles ont une belle couleur. Vous pouvez les déguster avec tout ce que vous voulez, du riz, des bananes fritées, des frites, tout ce que vous voulez. À la prochaine pour une nouvelle recette.